Eh bien voici une tablette que je me suis procurée sur le site AliExpress qui est vraiment polyvalente et qui est dotée d'ailleurs d'un écran WQHD, c'est-à-dire un écran 2K. Très intéressante avec de belles performances aussi. Eh bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter une tablette de la marque Xiaomi et je suis vraiment très content de pouvoir te présenter eh bien cette tablette là, c'est la Tab 5 puisque je t'ai présenté il y a un petit moment eh bien une mini tablette de la marque Xiaomi, j'étais vraiment mais super content et donc ici vraiment on se retrouve avec une tablette qui va être vraiment très polyvalente avec vraiment des caractéristiques assez intéressantes, enfin moi j'ai été très surpris et je me suis dit il faut absolument eh bien que je me la procure. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est très important, mais c'est le 12e anniversaire et bien d'AliExpress puisque le produit ici et bien a été envoyé en tout cas par la plateforme AliExpress. Et pour ce 12e anniversaire, AliExpress propose donc des produits jusqu'à moins 70% avec aussi des frais de livraison qui sont gratuites. Donc ça sera à partir du 28 mars au 2 avril à partir de 9h du matin jusqu'à 9h du matin. Donc ça vraiment ça risque d'être très intéressant. Bien entendu le code promo s'affiche sur l'écran et n'hésite pas aussi à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo puisque tu vas pouvoir aussi bénéficier de certaines réductions. Donc autant en profiter, souvent quand il y a ce genre d'anniversaire avec les plateformes et bien ce sont souvent des belles petites opportunités pour avoir des réductions. On peut aussi retrouver bien entendu des super produits sur AliExpress comme ce que je te présente aujourd'hui avec la Xiaomi Pad 5. Comme tu peux le voir, le design, bah franchement, très belle finition. On a l'appareil photo qui est juste en haut. Je trouve aussi au niveau des positions des boutons, ça je suis très content. Je trouve que ça reste très simple, en haut pour verrouiller, déverrouiller. On a aussi la détection faciale, c'est-à-dire que tu vas pouvoir déverrouiller ici la tablette avec la reconnaissance faciale. Donc ça aussi c'est une bonne chose. Augmenter, diminuer le volume sur le côté droit. Et puis là où j'étais très surpris, en fait, c'est le côté, on verra ça juste après, en fait, on va avoir 4 haut-parleurs. On va avoir 2 au-dessus et 2 en bas. Et c'est vrai que ça va être très très sympa quand tu vas vouloir regarder des vidéos YouTube, quand tu vas vouloir jouer à des jeux, écouter de la musique, et bien avoir ces 4 haut-parleurs, ça donne vraiment un son qui est vraiment très sympa, ce qu'on retrouve pas habituellement avec les tablettes ou alors avec les smartphones. Donc là on se retrouve vraiment avec quelque chose qui je trouve est plutôt intéressant. Enfin bref, j'arrête de blablater et c'est parti pour les caractéristiques. N'hésite vraiment pas à aller checker tout ça. En plus de ça, comme je te dis, AliExpress fête ses 12 ans d'anniversaire avec certains produits qui seront jusqu'à moins 70% en discount avec des livraisons gratuites. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Donc ici concernant la tablette, on va se retrouver avec un écran de 11 pouces. Pour moi ça me convient parfaitement. C'est une bonne taille d'écran pour regarder des vidéos, pour même regarder des films, pour jouer aussi à des jeux, mais c'est pas non plus excessivement grand. C'est à dire que je peux le ranger tranquillement dans mon sac, ça prend pas trop de place. Elle est d'ailleurs très fine. Vraiment cette tablette là, c'est la première fois où je vois une tablette aussi fine, aussi compacte. Donc ça c'est cool et c'est vrai que ça me fait penser peut-être un petit peu au côté de la pomme où on retrouve un peu ce même style de format de tablette. On est sur du 16/10, on a un écran WQHD, c'est-à-dire que globalement pour te faire simple on a 2560 x 1600 pixels, qualité d'écran vraiment magnifique, cadencé à 120 Hz, donc c'est vrai que ça aussi c'est très sympa. En gros c'est fluide, c'est super joli, les couleurs ressortent bien, donc ça vraiment je suis super content avec ça. Et on a la prise en charge Dolby Vision, donc ça aussi forcément c'est une bonne chose et ça montre à quel point aussi la qualité de l'écran est vraiment bonne. Alors concernant les haut-parleurs, on se retrouve avec un stéréo Dolby Atmos, on a donc 4 haut-parleurs et là dessus je suis vraiment content parce que je trouve que le son est vraiment bon. Comme je t'ai dit juste avant, au niveau du processeur on a un Qualcomm Snapdragon 860 cadencé à 2,96 GHz, c'est un mini ordinateur en fait, presque à 3 GHz, c'est juste énorme. On va retrouver 6 Go de RAM et on aura deux versions concernant la Pad 5, on aura une version à 128 Go de stockage et ou alors 256 Go. Moi personnellement j'ai opté pour la 256 Go, mais si jamais tu arrives à choper la 128, bah pourquoi pas, ça peut être sympa. Moi personnellement j'utilise beaucoup le service cloud, donc en vrai aujourd'hui ça me pose pas trop de problème. Alors par contre petit point négatif, c'est qu'ici on peut pas mettre de slot de carte micro SD, donc on peut pas rajouter de la mémoire. Bien entendu c'est un câble de type C qui chargera tout simplement ici ta tablette. Prend en charge aussi la charge rapide, c'est à dire que ça c'est vraiment un bon point, ça charge assez rapidement, en quelques heures même.
même pas. On a une batterie de 8720 mAh, ce qui représente 5 jours de lecture de musique, ou alors 16 heures de lecture de vidéo, ou alors 10 heures de jeu. Et c'est vrai que la batterie, bah, franchement, elle marche super bien. L'ADR, ça fait plusieurs jours que j'utilise et elle n'est pas encore déchargée complètement. Je te recommande personnellement de la recharger quand elle atteint à peu près son seuil un petit peu de niveau bas au niveau de la batterie, c'est 20-30%, et de remettre ça en charge, pas d'attendre à chaque fois en fait qu'elle soit à 0%, et après tu fais comme tu veux. Alors par contre, on n'a pas de prise jack 3,5 mm, donc ça peut être un point négatif pour certaines personnes. De mon côté, moi je m'en fiche parce qu'en fait j'utilise aujourd'hui forcément des appareils qui fonctionnent en sans fil, et donc ici on va retrouver de la Bluetooth 5.0. un poids de 510 grammes, je trouve qu'au niveau aussi de la répartition du poids du produit est vraiment bonne. Ça représente un petit poids, après 510 grammes pour moi honnêtement c'est pas du tout dérangeant. On va avoir deux appareils photo, un appareil photo frontal de 8 mégapixels, on verra ça juste après avec la phase test. Excellent l'appareil photo frontal, franchement je suis très surpris ça pour une tablette. Et on va avoir un appareil photo arrière de 13 mégapixels, qui je trouve moi personnellement est un petit peu moins bonne que la frontale. Après ça fait le taf si tu prends quelques photos et surtout si tu veux faire des appels téléphoniques, bah ça c'est vraiment excellent. On va donc retrouver deux couleurs, le blanc et le noir, et bien entendu avec une garantie de 2 ans. Donc globalement c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit en effet que Xiaomi, ils ont vraiment changé un petit peu leur délire. C'est à dire que là on se retrouve vraiment avec un produit haut de gamme qui en tout cas d'un point de vue hardware, donc d'un point de vue vraiment au niveau du produit, ça a l'air solide, ça a l'air je trouve bien conçu, franchement c'est super propre. Et d'un point de vue software, on va se retrouver forcément avec l'interface Xiaomi, on va être sur du Android avec des caractéristiques en plus de ça très très intéressantes. Donc franchement ça donne envie comme ça, et écoute, on se retrouve tout de suite pour la phase test. Bon, et bien c'est parti pour tester l'appareil photo frontal de la tablette. Alors elle me paraît vraiment correcte en termes de qualité. Alors attends, hop, on va aller dehors, comme ça il y aura bien du soleil, de la luminosité, c'est ce qu'il nous faut ici. Le micro est correct aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que vraiment pour effectuer des appels téléphoniques, pourquoi pas pour prendre des petites vidéos là en frontal, c'est souvent la plus grosse faiblesse honnêtement des tablettes, hein, où elles sont pas non plus trop prévues pour. Et bien là, je trouve que le retour, ça a l'air fluide, ça a l'air vraiment, en tout cas, je trouve très correct. La petite voiture, les petites couleurs aussi. Alors elle est bien rouge, hein, comme je peux le voir, elle est un petit peu moins rouge. On va voir d'ailleurs, tiens, les jantes de la moto. Elles sont bien jaunes, ça a l'air d'aller. Non, franchement, la qualité a l'air d'aller. Marche un peu, puis on va se passer, on va basculer en avec l'appareil photo arrière. Les couleurs apparaissent bien. Je suis très surpris par la qualité de l'écran, en fait. Le petit portail. Ça m'a l'air correct, hein. Franchement, ce que je te dis depuis tout à l'heure, mais elle a pris un petit peu le froid, là. Ça a l'air vraiment bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour moi, ça reste quand même un point qui est assez important, l'appareil photo. Le micro aussi, parce que tu peux à tout moment l'utiliser. Même si pour moi, l'un des points les plus importants, forcément, c'est le processeur. Et derrière l'écran, la qualité d'image, tout ça. Mais c'est un sacré plus. Et là, je suis plutôt satisfait. Je vais aussi filmer à l'intérieur, hein, c'est ce qu'on va faire là. Alors bien regarder l'appareil photo aussi, donc c'est vrai que j'ai tendance, vu que l'appareil photo est au bord d'un écran et non en haut au milieu, faut bien regarder en fait, donc ça c'est une petite chose auquel il faut faire attention. Micro, vraiment de bonne qualité, écoute, vraiment la vidéo, rien à dire, franchement c'est très bien. L'appareil photo frontal, on va dire, c'est même excellent pour une tablette. L'arrière, un petit peu plus de mal. Là on peut voir, là il y a un petit peu moins de luminosité, donc on voit qu'au niveau du visage en fait il fait des sortes de petites couches et tout, mais la frontale est vraiment bonne, hein. Donc là par exemple, là si j'appuie là, hop, ouais, il focus là-bas. Maintenant j'appuie là, il refocus sur moi. Non, vraiment je suis très content. Bon, et bien c'est parti, et bien pour se retrouver en live avec le produit, donc ici la Xiaomi
Pat 5 qui est vraiment très intéressante. Ah, déjà, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on va dire, en tant que testeur lambda. C'est-à-dire que là, là imaginons, je reçois le produit, je vois ça, je me dis, bon, première chose, c'est le hardware. C'est au niveau des matériaux, au niveau de la qualité du produit. Et quand je touche comme ça, honnêtement, la tablette, je me dis, ok, cette qualité, là, on voit qu'on est sur une gamme forcément supérieure à ce que j'ai l'habitude d'avoir. Donc là, c'est vrai que ça fait très plaisir. Bien, donc là, hop, il a détecté, tac, ça déverrouille la tablette. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est au niveau de la qualité de l'image. Voilà, comme je te dis juste avant, la qualité de l'image, on va voir ça, c'est impressionnant. Moi, j'adore. Voilà, on se retrouve vraiment avec une tablette où c'est agréable à regarder. On va voir d'ailleurs, bah, on va aller dans la galerie. J'ai pu prendre des photos aussi. Bah, tu vas voir aussi l'appareil photo. De toute façon, je vais te superposer juste après ça. Par exemple, ça, c'est ma voiture, ma petite Itounette. Bah, tu vois que la qualité de l'image est vraiment super bonne ici. Il y a vraiment rien à dire. D'ailleurs, l'appareil photo, c'est propre, hein. C'est vraiment propre. J'ai été très surpris par l'appareil photo. Donc voilà. Donc ça, vraiment, je suis très content. Bah tiens, par exemple, il y a la moto. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de regarder les différentes couleurs au niveau de l'appareil photo. C'est qu'on voit que le jaune ici ressort plutôt bien et que quand je zoome, ça va pas non plus être trop flou, trop pixelisé. Donc ça, c'est bien. Voilà, on va vraiment avoir un peu tous les détails et tout. Après, on va pas avoir non plus les détails comme on peut avoir sur certains appareils photo ou sur des smartphones. Par exemple, le détail des nuages et tout, on peut voir que là c'est resté assez simple dans le logiciel, mais c'est quelque chose qui fait assez plaisir. Bien regarder l'appareil photo. Et le son est très très bon. J'étais très surpris par ça. Les haut-parleurs fonctionnent vraiment bien. On va monter. Regarder, en fait. Donc ça, c'est une petite chose. Va se mettre comme ça. Je vais aussi filmer à l'intérieur, hein. C'est ce qu'on va faire là. Alors bien regarder l'appareil photo. C'est dingue le son. C'est vrai que j'ai tendance, vu que l'appareil photo est au bord d'un écran et non. Il fait des sortes de petites couches et tout, mais la frontale est vraiment bonne, hein. Donc là, par exemple, là, si j'appuie voilà. Là, hop, tac, ouais, il faut on bascule là-bas. J'aime bien faire, c'est regarder un petit peu tout ce qui est investissement et tout. Bah voilà, par exemple ici, donc tout ce qui va être traitement texte, lecture graphique et tout, c'est excellent. Rien à dire, hein, là aussi. Je vais avoir aucun problème avec, c'est hyper fluide. Voilà, donc ça c'est là-dessus, je suis vraiment très content parce que c'était aussi pour ça que j'ai voulu me procurer. Cette tablette là, donc ma chaîne YouTube qui est juste ici, voilà, enfin stress pas du tout, donc tout fonctionne très bien. Donc là, imaginons par exemple, on va mettre. Il s'agit d'un nouveau vélo que propose voilà. Aujourd'hui la marque 5 km/h, parce qu'en fait, voilà, le vélo il est bridé. Mais attention, ici, vraiment la qualité est bonne, le son est excellent. J'ai pas envie que ça consomme plus de toute façon au niveau de l'autonomie, forcément ça va l'impacter, que ça abîme un peu plus la batterie et tout. Donc moi personnellement, je la laisse propre. À 25 km/h. Mais de ce que j'ai vu, bah vraiment c'est nickel, hein. C'est super sympa. C'est fluide, voilà, donc ça c'est normal, les couleurs ressortent bien, donc ça c'est vraiment bien. On a aussi une tablette qui surchauffe pas, voilà, qui va pas chauffer, qui va pas stresser en fait, si tu veux. Donc on va baisser un peu le son histoire d'être un peu plus tranquille et pour que je puisse te parler en même temps, mais rien de la qualité d'image. Voilà, donc là il n'y a pas grand chose à dire aussi, c'est propre. Franchement, ça fait plaisir, voilà, de cette qualité, que ce soit le hardware et le software, parce qu'en fait, Xiaomi, ils commencent à avoir beaucoup d'expérience et ils proposent fréquemment voilà, des produits de meilleure qualité et mieux finis. Donc là, on a terminé premier. Par exemple, si on va dans à propos, là on va voir la petite couche Xiaomi avec le nom de l'appareil, donc Xiaomi Pad 5. On va avoir 26 Go, donc déjà occupé. J'ai commencé à faire des enregistrements et tout, donc c'est pour ça. À mon avis, il y a 20 Go déjà pris et j'ai 256 Go au total. Regarde-moi ça, enfin vraiment, l'interface, elle est super. En tout cas, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui la Pad 5, qui est vraiment en tout cas super bien. Je te la recommande honnêtement. Si jamais tu as fait des recherches, n'hésite pas à regarder aussi parce qu'il y a beaucoup d'avis positifs, je suis pas surpris, voilà, donc n'hésite vraiment pas aussi à me dire ce que tu en penses, si jamais aussi tu te l'es procuré, si tu en es content ou pas. Moi je suis super content et ça va accompagner durant un bon petit moment tout mon matériel, mon petit setup, et donc ça c'est vrai, c'est un bon point. Alors concernant son tarif, eh bien c'est en dessous de 400 € proposé sur le site AliExpress. J'ai reçu le produit très rapidement, en plus de ça, comme je t'ai dit, leur 12e anniversaire avec AliExpress, donc on retrouve pas mal de réductions sur leur site internet. Je vais aussi te faire affiche
afficher mon code promo sur l'écran. Autant en profiter honnêtement, surtout pour des produits comme ça d'aussi bonne qualité. Donc non, moi franchement, bah, comme je t'ai dit, hein, franchement je suis super content. Voilà, ça fait plaisir de retrouver un bon produit comme ça. Et ça c'est un produit qui, comme je te l'ai dit, va rejoindre tout mon équipement de matériel. Parce que pour moi c'est des produits fiables, c'est des produits de qualité, des produits performants. Il n'y a pas de problème de... Enfin voilà, c'est fluide en fait. Il n'y a pas de problème, ça va pas laguer, ça va pas bugger à certains moments. Non, même quand je vais quitter les sessions et tout, franchement ça le fait proprement. Il y a plein de petites choses qui font que, en tout cas, c'est un produit que j'aime beaucoup. Bon, merci tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.